Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Affaire Lolita et Pifo. Ça devient un peu compliqué, hein? Voilà, il était question ici de faire pression à Pifo afin qu'il prenne ses responsabilités. Ça a un peu marché. Après mes multiples sorties et les interréactions, plusieurs personnes m'ont contacté. D'autres proposaient de poursuivre Pifo, d'autres, chacun proposait sa part. Il n'était pas question ici d'enfermer qui que ce soit ou bien de faire du mal à qui que ce soit. Il fallait juste que Pifo accepte la grossesse et prend ses engagements. Sauf que Pifo a accepté de prendre ses responsabilités. Mais il y a un monsieur qui m'a contacté de la diaspora. Il a une entreprise, c'est parce qu'une ONG, bon, bref, il a une entreprise. Il a dit ceci, parce qu'ensemble, on a discuté avec Pifo. Il a dit, parce que Pifo, lui, dit qu'il n'est pas le père. Il ne reconnaît pas. Et ça devient encore plus compliqué. Le gars dit donc, il propose donc également à la fille, Lolita, qu'il paye tout. Les visites, tout, jusqu'à l'accouchement. Et à l'accouchement, non, maintenant, on fait le test d'ADN. Si Pifo est le père, il rembourse tout. Donc, on veut faire la décharge. Qui signe? Si Pifo est le père de l'enfant, Pifo rembourse tout ce que l'entreprise va dépenser sur la petite. Si Pifo n'est pas le père, les parents de la fille remboursent tout à l'entreprise en question. Maintenant, il y a blocus. Parce que la fille est d'accord, mais les parents de la fille ne veulent rien entendre. Pifo non plus ne veut pas faire une décharge, ne veut pas signer sans la présence des parents de la fille. Le monsieur aussi ne veut pas prendre les engagements sans la présence des parents de la fille. La tante de la fille a même appelé les parents pour les convaincre. La tante chez qui la fille vit actuellement. Mais j'ai suivi un voice où la mère ne veut même rien entendre. C'est compliqué. L'histoire devient plus compliquée parce que là, Pifo, lui, il accepte signer les engagements. Il dit qu'il a peur, il n'est pas sûr que c'est son enfant. Si c'est son enfant, il verse tout ce qu'on lui demande. Il verse tout, il prend soin. Si ce n'est pas son enfant, lui, il s'écarte tout simplement. Et l'entreprise aussi, à son tour, dit si ce n'est pas l'enfant de Pifo, il faut que les parents rembourse tout ce qu'on va investir durant la grossesse jusqu'à l'accouchement. Les amis, vous-même, dites-moi en commentaire, si vous êtes face à cette situation, comment faire pour la suite? Voilà où on est coincé maintenant. Comment faire pour convaincre les parents de la fille à accepter? Parce que jusqu'ici, il faut rappeler que les parents de la fille ne veulent même pas voir la fille. Depuis là, ça devient compliqué. Même la justice va trancher aujourd'hui, c'est comment? Puisque Pifo n'est plus en train de refuser. Pifo dit oui, je suis là. J'accepte. Je décharge. Si à la fin, c'est vraiment mon enfant, il n'y a pas de problème. Puisqu'il a raconté une histoire où il avait investi sur un enfant comme ça, il a payé même la pension, payé, la fille avait accouché même par césarienne, tout, il a investi. C'est à 5 ans, qu'on vient lui dire que mon frère, l'enfant que tu nourris depuis, l'enfant que tu fais tout sur lui depuis là, ne t'appartient pas. Que le vrai père, on dit qu'il était le cinquième père, le vrai père même, est où c'est où là? Le gars a mené les enquêtes, il s'est confirmé qu'il n'était pas le vrai père. Il ne veut plus tomber sur le deuxième piège. Il ne veut plus tomber sur un second piège. Voilà donc où la situation se trouve. À vous l'antenne. Ok. Voilà,
cher Bengis, désormais faites comme Franco quand vous arrivez au pays. Lavez vos habits chez Mr. Clean. Mr. Clean est le meilleur pressing dans la ville de Yaoundé. Désormais, pour tous vos problèmes de ménage, les chaussures, les habits, les moquettes, les tapis, dirigez-vous directement chez Mr. Clean. Mr. Clean est situé à Ngousso, face Total, à Emana, face Mesafi, à Bastos, Carrefour, Moto Georges, village des jeunes au niveau d'Etetat, Biemassi, immeuble Express Union, Oja, avant l'entrée du collège Adventiste, Kwaban, avant Santa Lucia, venant de Mimboman, Abia, descend Pharmacie du Soleil. Juste une précision, Mr. Clean importe ses produits de nettoyage depuis la France et l'Allemagne. Donc, n'achetez plus vos vêtements de valeur, de luxe, vous partez laver dans n'importe quel pressing que parfois ça brûle vos vêtements, ça déforme, ça transforme vos vêtements. La solution, c'est chez Mr. Clean, le meilleur. Ok, abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.